Good morning, everyone. I'm Iroko Azintim, a scientific researcher based in Pretoria, the capital city of South Africa, where I am doing microbiology. So now I am in Cameroon, in the residence of Mr. Alphonse Jean Amokon, where I am going to talk about the story of this guy. So next to me, I am with his wife. So basically, we are going to talk about him, his life, through his biography. Bonjour à tout le monde. Je suis Iroko Azintim. Je suis chercheur scientifique en microbiologie en Afrique du Sud, la capitale politique sud-africaine. Aujourd'hui, je me trouve au Cameroun, dans la résidence de M. Alphonse Jean Amokon, où nous allons parler de lui. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Ok. À mes côtés, j'ai sa veuve. Elle va nous dire rapidement où et quand est-ce qu'est né son mari. Oui, je suis Madame Jean Amokon, née Mekunte à Zontekla. Monsieur Jean est né le 31 décembre 1939. Et c'était où exactement? À Bafia. Ok. Ouais, c'est à Bafia. Et pouvez-vous nous dire ses parents biologiques, qui étaient-ils? Ses parents biologiques, M. Mokon Awachok Luc, était de Kiki, est originaire de Kiki Dobamba, dans la famille Dobamba. Et Madame Mokon né Gombitan à Abamina. Elle est de Moko, toujours à Bafia. Très intéressant de savoir les parents biologiques. Alors, nous allons très rapidement parler du cursus scolaire. Mr. Jean Amokon did some studies before moving on to the vocational area. Now, the wife is going to talk about what the husband, the late husband, if I can put it like that, did before going in the civil servant system. Quel était le parcours scolaire de votre mari? Le parcours, c'était... Il a fait l'école primaire et puis secondaire à Bafia toujours. École primaire à Bafia, école secondaire à Bafia toujours, jusqu'à obtenir le brevet élémentaire. Après quoi, il est venu à Yaoundé, où il est entré dans la vie active, à un emploi au ministère du Travail et de l'Emploi, à Yaoundé. Oui, très rapidement, dites-nous jusqu'en quelle classe et quel diplôme il a eu. C'est ce que je suis en train de dire, qu'il a eu le brevet élémentaire. En quelle année? En 1962. Okay. Oui. Bon, très rapidement, revenons donc dans le cursus professionnel. Quels sont les ministères et quels sont les postes, si vous pouvez vous rappeler? Le ministère de l'Emploi, le ministère du Travail et de l'Emploi, il était au service des visas, des contrats et des visas au ministère de l'Emploi. Après, il a fait la capacité en droit pour pouvoir améliorer son niveau. Après cette formation, avec le diplôme de la capacité en droit, il a présenté des concours de finances et il a été admis inspecteur de trésor. On l'a donc affecté au ministère des Finances en qualité de chef de service du personnel. Oui. Et ensuite, au ministère des Finances, il a encore fait un tour dans un autre ministère ou bien? Non, il est resté au ministère des Finances pendant très longtemps. Après, on l'a affecté toujours dans le cadre des Finances, contrôleur financier.
à la communauté urbaine de Yaoundé. Et est-ce que vous pouvez nous dire à quelle époque? Vraiment, les dates, je ne sais pas. Ou bien, qui était en ce moment délégué du gouvernement? Délégué du gouvernement, Emma Vazine. Ah, Emma Vazine. Bien. Ladies and gentlemen, we have seen that it was a dynamic guy because he can or he could move easily from the Ministry of Labor and go through the Ministry of Finances. So, through the Minister of Labor, he tried to perform himself by trying to do competitive exam to increase his level. Maintenant, donc, il faut qu'on parle du statut matrimonial. Était-il marié officiellement? Oui, marié officiellement. À l'état civil? À l'état civil. En quelle année à peu près? À l'état civil, le 3 septembre 67. A-t-il fait aussi un mariage religieux? Mariage religieux, oui. La date, je ne sais pas exactement la date, mais je sais que c'est au mois d'août en 69. Okay. According to his marital status, it is the civil wedding around September 1967. Later on, it is the religious one around August 1969. How many children, if we can ask, because after the wedding, in Africa, we are expecting men and women to have kids. How many children he got after that? Combien d'enfants a-t-il eu? Il a eu 6 enfants. 6 enfants. Et est-ce que nous pouvons savoir les gens? Combien de filles, combien de garçons? Je peux dire 4 garçons. Il y a un qui est décédé à 14 mois et 3 filles. Okay. Maintenant, nous allons toucher la vie religieuse. Nous savons qu'il était aussi engagé comme chrétien. Alors, expliquez-nous, qui était-il dans la vie religieuse et quelle paroisse militait-il? Il était chrétien de l'EPC. Église presbytérienne du Cameroun, à la paroisse Marie Gauquer. Et c'est à Yaoundé? À Yaoundé, okay. Oui. Tout ça, c'est à Yaoundé. Sinon, au village, quand il est au village, il a une paroisse, la paroisse Bem de Kike. Ok. Oui. Elle existe toujours, hein? Elle existe, okay. Elle existe. Bon, quel poste a-t-il eu durant son passage à l'église? De son passage à l'église, il a été fait diacre. Diacre, bon, j'ai peut-être les années, je peux dire 65 ou 64 à peu près. Oui, et ensuite il a encore eu un autre poste religieux. Après, il a été fait ancien d'église. Ancienne église de... Je ne sais pas quel... Mais là, il était déjà marié. Comment? Oui, il était déjà marié. Ok. Il était déjà marié. Ok, let us remember that during his, if I can put it, the journey during his prison in the church, he was a servant, he was a judge, he was the ancien of the church. And also, what we can say, he was a dynamic guy everywhere he was going. So let us move directly onto the legacy, because a big guy like that has a legacy that he left before going to the invisible area. What can we say about his legacy? Quel était le patrimoine qu'il nous a laissé? Le patrimoine, je ne sais pas si je peux parler des choses matérielles, visibles. Si le patrimoine, c'est le comportement. Oui, on peut parler. Les conseils qu'il donnait. Oui. L'ardeur au travail. Si je peux seulement résumer comme ça, là, le patrimoine.
Ça, c'est le patrimoine. Et quel patrimoine visible pouvons-nous voir? Peut-être dans la maison du Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'œuvre du Christ? A-t-il bâti une maison du Christ ou a-t-il donné un terrain à l'église? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'on peut voir. Pour l'église, la chapelle qui est à Bem, c'est son œuvre. Okay. Oui, il a bâti ça parce que son papa, avant, on faisait le culte dans une petite case. Okay. Et chaque fois, il disait que si on me construira une église ici, et il répétait ça. Et un jour, bon, il a pris à bras le corps de construire. Et il l'a financé. Et il a financé. Il s'est occupé de ça. Maintenant, on faisait ça à petite dimension. Mm-hmm. Mais bon, maintenant, c'est déjà une église. Ce n'est pas encore. C'est encore une chapelle. Mm-hmm. C'est une chapelle, mais Et en quelle année a-t-il bâti? En quelle année? Je ne sais pas, c'est en quelle année. Peut-être à l'église, on va donner ça. Ok. We are very happy to hear about him because what he did in the Church of Jesus Christ, he built a chapel back home in Kiki area that we call Bem, and then he put his finances to found the building. That is a very good idea that he did. So let us remember about him. And the next question is about his hobbies, the favorites. What that guy like on this planet, on this useless planet? Qu'est-ce qu'il aimait? Qu'est-ce qu'on peut dire de ses goûts? Qu'est-ce qu'il aimait en termes de denrées alimentaires? Denrées alimentaires, bon, il aimait manger ce qui est bien. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Adorait-il les plats traditionnels? Les plats traditionnels, les faits de manioc, ça l'embêtait un peu, mais il mangeait. Il mangeait ça. Le couscous avec les vitosso. Il mangeait. Aimait-il la lecture? Mais la viande était mieux. Okay. La viande était mieux. Ok. Oui. On peut pousser un peu. Aimait-il la lecture? La lecture, oui. Les voyages? Il aimait beaucoup la lecture, les voyages. Oui. Je crois que c'est tout ce qu'il faisait, les voyages, la lecture, les rencontres. Donc c'était un rassembleur. Oui, il voulait les rencontres. Il voulait toujours les jeux quand on se rassemble. Il créait les chorales. Il faut chanter, il faut faire ceci, il faut danser. Il faisait ça. Ah, c'était un bon danseur, alors. Une taille que, comment on appelle? Non, peut-être pas bon danseur, mais il aimait la danse. Okay. Ce qu'on appelle la danse. Nous avons sauté une question dès le départ. Et nous allons revenir très rapidement. Sa vie d'enfance, comment était-il? Était-il un garçon calme, doux, appréciable? Un garçon, il n'est pas tellement calme. Il était un enfant agité, mais serviable. Très serviable, oui. Donc on pouvait prendre de M. Alphonse un modèle. Oui, il était serviable. Il était brillant. Ça, c'est brillant en matière d'école, pas beaucoup. Okay. Pas beaucoup. Okay. Mais serviable. Serviable à tous égards. Okay. Thank you so much for everything that you have done for us. We are very happy. But the next step is about the summary. We know that in Africa, it is good to speak the mother tongue. That means the tongue from your mother's side. Let us summarize everything that we have done related to Mr. Alphonse Jean Amokon in the Bafia language. À l'heure actuelle, nous allons chuter vers la fin. Vous allez résumer en langue Bafia tout ce que vous avez eu à dire afin que des personnes qui nous suivent à travers la tribune de l'histoire de la collection Bamoise puissent comprendre et savourer la meilleure langue, qui est le Bafia. L'un a
Abba, pasteur. Abba, ya a qui il sait que diable, il sait que c'est lié. Enfin, il sait maintenant que c'est lié. Ok, ladies and gentlemen, we are at the end of this event. We can say that Mr. Alphonse Dialamoko was a good guy because he tried to make some relationship between his civil servant life, his vocational life, and also his religious life, because he was impregnated with the gospel of God. Later on, we have the wife next to us who tried to reveal to us what the late husband did in this useless land. Ladies and gentlemen, thank you so much for your kind attention. In front of you, you have Iroko Azintim, a scientific researcher based in Pretoria, the capital city of South Africa. Merci beaucoup, stay down, et que Dieu vous bénisse. Bye.